Écoute, pour le lancement de mon cinquième album, en fait, c'est un album que j'ai dédié complètement à Haïti. L'album s'appelle Rapado Créole. Ça met en valeur la culture racine haïtienne et puis tout ce qui est classique, tout ce qui est la musique traditionnelle, la musique vaudou. Tu vois, les chansons chantées en Yoruba, en Héroé, en fond, qui fait partie de notre patrimoine culturel, traditionnel. En fait, cet album, c'est à propos de ça que je parle. Quelques années, Wesley qu'on connaissait, Wesley que vous avez supporté, a réussi à percer le marché international, comme vous avez vu. Depuis que j'ai gagné le prix Babel Med Musique en France en 2011, depuis lors, ça a vraiment éclaté sur le marché international en France. J'ai fait la France, le Maroc, la Belgique. Là, je pars là demain pour l'Espagne, dans les îles Canaries, pour jouer dans le festival Mapas. Après, je fais les Afrofest à Lausanne, en Suisse. Alors, je fais beaucoup de choses. Je fais à peu près 70 shows par année à travers le monde. Je suis moins sur le marché québécois en ce moment. C'est sûr que l'année dernière, j'avais fait quand même une tournée de 40 dates au Canada. Ça m'a vraiment réaffirmé mon appartenance au Canada ici. C'est le public qui m'a soutenu, c'est le public vraiment qui m'a mis sur la map, que j'ai réussi à redonner en forme de show et de musique. Alors pour cela, c'est sûr qu'on n'est jamais prophète chez soi. Alors je peux dire qu'en Europe, c'est là que ça fonctionne beaucoup. Et puis aux États-Unis aussi, il y aura beaucoup de tournées qui s'en viennent là, dans tous ces pays-là. Et je vous garde au courant. Où sont ma vie qui peut me regarder sur ce qui me fait rester les sans détruire? Le marché de mon monde, tu sais, je n'en sais pas garder quand les gars avaient pris. Les mois sont passés, les rayons visages, je vois les bienvenus, donc tu es parti. Venons nous arrêter, tant qu'on me fait en parler, on va vous laisser hésiter. La possible beauté, vous voulez la vivre. Wesley que vous avez connu, c'était un Wesley qui a commencé très très loin. Vous l'avez reconnu quand il avait à peine commencé. C'est sûr que, tu vois, quand vous m'aviez connu, vraiment, j'avais pas beaucoup d'expérience sur la scène. Mais ce que je savais faire, j'étais quand même un musicien qui était capable de jouer plusieurs instruments, qui était capable de composer des chansons catchy. J'avais beaucoup de choses, de bagages musical, mais ça me prenait vraiment l'expérience de public, tous des échanges, expérience d'album. Vous savez que c'est tout un tout qui fait un artiste, tu comprends? Oui. C'est pas juste avec le talent qu'on va réussir à faire des miracles. On a besoin de l'expérience de la route, on a besoin de l'expérience des femmes, on a besoin. C'est tous ces échanges d'expérience là qui fait que Wesley est devenu quelqu'un de mature, de prêt, d'être capable de professionnel et tout, voilà. Et qu'on a dans Wesley aussi. Merci beaucoup. En fait, je suis un artiste quand même qui change souvent, qui rafraîchit, tu vois, parce que j'aime ça, travailler avec plusieurs musiciens. Je pense que ça m'amène beaucoup d'expérience, beaucoup de nouveaux sons, beaucoup de fraîcheur dans ma carrière. Quand il s'agit
d'échanger avec de nouveaux publics, échanger avec des nouveaux musiciens, ça me tient vraiment à cœur. Alors c'est pour cela que tu as vu ces belles filles qui sont en train de danser sur la scène et chanter, qui arrivent d'Haïti. Ces filles-là s'appellent Artis, c'est un groupe d'Haïti qui a que des filles. Alors il faut voir ça dans le futur, je vais continuer à en parler. Puis ces filles-là vous ramènent la chaleur, la fraîcheur du pays, parce qu'ils arrivent d'Haïti directement pour cet événement, pour faire aussi une tournée au Canada. Alors avec tous ces musiciens anciens, nouveaux, on ramasse tout le monde sur la route pour pouvoir donner ce concert que vous voyez ce soir. Parce que j'adore ça, réunir tout le monde, j'adore ça. Mettre tout le monde ensemble, créer un son avec eux. Alors, je ne suis pas conservateur quand il s'agit de musique. Je suis très en fait, parce que je voulais sortir cet album, je voulais sortir les deux en même temps, mais je voulais pas genre assombrir l'attention à Haïti, parce que cet album, je voulais donner ça à Haïti, c'est un cadeau, c'est la culture, c'est les traditions et tout. Je voulais pas mélanger les deux albums pour que, bon, un journaliste choisit de parler de ci, l'autre choisit de parler de cela. Alors je voulais quand même mettre les points sur les i, donner à Haïti ce que j'ai à donner. Après ça, je peux faire le tour du monde et puis sortir des albums avec des artistes comme je peux, quoi. Donc, nous aimerions tous te suivre demain pour aller en Espagne, faire le tour du monde avec toi, mais on espère que tu vas nous tenir au courant, que tu vas nous donner des nouvelles. C'est sûr que vous aurez de nouvelles. Allez sur ma page Facebook Wesley, W-E-S-L-I, ou bien vous allez sur mon Instagram Wesley2, ou bien sur mon Twitter Wesley Music. Sinon, vous regardez sur mon site web wesleyben.com. Vous allez avoir des nouvelles sur tout ce qui se passe sur moi cet été. Wesley, on te remercie beaucoup. Puis, comme toujours, on t'adore, on t'aime. Puis, c'était toujours, toujours un événement juste de te voir. Déjà, c'est un événement. Puis, avec un ben, c'est merveilleux. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup d'avoir supporté Wesley. Alors, mesdames et messieurs, trêve de bavardage, place à la musique. Maintenant, c'est le Wesley Band.